échafauds, nous mourrons pour des idées. D'accord, mais le moment hante. D'accord, mais le moment hante. Bah déjà, tu vois, la chanson, elle a l'air de durer deux fois moins longtemps que dans les versions précédentes. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes rentré dans le texte. Il faut faire très attention aux mots, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment que vous la travaillez chez vous pour vraiment dire les bons mots. Par exemple, « Oh vous les boutefeux, oh vous les bons apôtres ». Alors ça, j'ai conscience que bon, ce n'est pas forcément un vocabulaire super contemporain. Mais c'est ça qui va donner du charme au truc, c'est ces mots-là, en fait. Ils sortent de la bouche de jeunes gens d'aujourd'hui qui ne diront plus jamais « boutefeux ». Personne n'appelle personne « boutefeux ». Eh bien, vous, si. Eh bien, vous allez le faire. Vous allez dire « boutefeux » et les gens vont l'entendre. Et ils iront sur Google chercher ce que ça veut dire, parce qu'ils ne le sauront pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vocabulaire un peu ancien, quoi, qui peut paraître un peu désuet, mais c'est justement ce genre de mots un peu anachronique qui date d'avant, qui sonne, en fait, qui donne un truc qu'on n'entend pas tout le temps, en fait. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tout le temps l'occasion de dire « bout de feu », et c'est pour ça que c'est marrant, Brassens. C'est qu'il sort des trucs, des fois, franchement, c'est hallucinant. Par exemple, il y a une chanson où il dit il faut aller rechercher dans le dico quasiment chaque mot, c'est dans La femme d'Hector. Il dit ne jetons pas les morceaux de nos cœurs au pourceau, perdons pas notre latin au profit des pantins, chantons pas la langue des dieux pour les balours, les fesses Mathieu, les paltoquets ni les bobèches, les foutriquets ni les pimbèches, ni pour la femme de Bertrand, tu vois. Rien que dans un couplet, il faudrait qu'on aille sur Google chercher ce que veut dire Fesse Mathieu, par exemple, ou Balour. Voilà, ouais. Balour, Fesse Mathieu, Paltoquet, Bobèche. C'est ça, Brassens. C'est qu'il va chercher des mots. Lui, il disait qu'il était moyenâgeux. C'est-à-dire qu'il adorait l'époque médiévale. Et donc, il va chercher plein de vieux mots exprès. Et donc, vous, quand vous les dites, si vous les dites bien, eh ben, ça aura de l'effet. Ce sera... Mais il faut que vous sentiez ce que vous êtes en train de dire. Et que vous n'hésitiez pas, quand vous apprendrez la chanson, à aller chercher ce que veut dire tel ou tel mot. Pour être bien en conformité avec le propos, quoi. Comprendre ce qu'on est en train de dire, en fait. C'est très important. Qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson, Brassens ? Il dit, en gros, ouais, moi, je veux bien mourir pour une idéologie, je veux bien mourir, mais enfin, pas tout de suite, quoi. Et en plus, il dit, en plus, les mecs qui demandent ça aux autres, généralement, c'est eux qui vivent le plus vieux. Et moi, je suis là, il faudrait que... C'est ça qu'il est en train de dire, donc il est un peu indigné. Et surtout, il est en train de dire, calmons-nous, les amis, entre hommes, on doit pouvoir... Restez tous vivants, on n'a pas besoin de se tuer pour des idées. Il faut qu'on le ressente, ça. Il faut que, voilà, c'est une chanson aussi sur plein de choses, sur liberté d'expression et compagnie. Donc, c'est ça qui va vous aider à bien la chanter, c'est ça que je veux dire. C'est plus vous comprendrez le sens, plus vous serez imprégné des mots, plus ce sera, quand vous chanterez sur scène, ça va se faire tout seul, quoi. Et il faut vraiment que vous l'appreniez, hein. Sinon, vous êtes dans la merde.